on est reparti pour la suite de Poppy Playtime. Hop, hop. Oh putain, alors attends, c'était quoi déjà qu'il fallait faire? Aïe, je suis tombée. Ah, ok. Oups. Il s'est tombé. Et on recommence. S'y saute pas. C'est une blague. Je peux pas l'attraper le deuxième. Non mais pas doué la chasse roue là. Oh bah putain. Alors. Tac 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 tac. Ah mais non. Putain. Mais qu'est-ce que j'ai pas compris? Attends, donc ça ouvre là. Donc de là, je vais là. Ok. Là-dessus, on a compris. Mais là, est-ce que ça ouvre là? Parce que du coup, à tous les coups, faut faire ça, ça, là, jusque là. Oui, ça ouvre. Ok. Bon, par contre, faut que je laisse le courant dessus, du coup. Faut croire que mon frère n'appelle pas la blonde pour rien. Thank you.
péter un plomb. Bon, est-ce qu'on va réussir cette fois ? Ok, maintenant, du coup... Ça ouvre quoi ? Ça a ouvert quoi ? Oh, j'ai pas vu la cassette rouge. Elle est là. Guignol. Ah, faut pas que je rouvre le truc quand même. Pourquoi il veut pas me la prendre? Il va me manquer plein de cassettes par contre. The following is a pre-recorded announcement to address the many complaints regarding an alleged very, very big spider crawling around in the facility. The Playtime Corporation wants me to remind you all that spiders that big do not exist, and that if they did, quote, we would already be dead anyways, end quote. Regardless, you can all rest assured, the company is sending some specialists down here to have a look around and relieve the constant whining. Complaining seems to be everyone's primary contribution to this company. It's just a spider. We're all safe. Please, please, carry on with your jobs. Faut pas me faire des trucs comme ça. Et puis je vais où?
putain. Ah, le truc des couleurs. C'était pas ça? Il est où mon petit papier où j'avais noté les couleurs, là? Rouge, jaune... J'étais pas prête. Ok, faut aller où? Peut-être la cramer là.
Ok. Et du coup... Précaution. Elle est où? Oh putain. Il y avait un trou là. Je vais rouvrir en grand si je vous cours. Je vais faire une crise cardiaque avant la fin du jeu. Oui, alors attends. Avant d'enclencher ça, déjà je vais repérer le chemin parce que du coup, il m'avait tout bloqué. Donc là, ça va être bloqué. Il va falloir que je passe par là et que j'aille là. Donc cette... Putain, elle peut pas s'ouvrir. Attends, déjà, ça, on va le bouger parce que c'est un truc qui va pouvoir me bloquer. Et comme je suis pas douée, j'arrive même pas à le bouger. Parce que là, je pourrais pas aller tout droit. Il va falloir que je défonce la porte. Elle fait peur en même temps, et tu t'y attends pas. Ok. Est-ce que on va faire ça? Eh, on va être intelligente. Putain, mais avance! On va aller au plus loin que possible. Ouais, je suis au plus loin. Sa mère.
J'ai bugué sur le E. J'arrivais pas à ouvrir la porte. Bon, on va refaire la même technique, au moins j'avais un petit peu d'avance. Putain, je me suis fait mal aux mains à me serrer les ongles dans la paume. Ouh, allez. Concentration. Bah moi ce jeu c'est ma belle-fille qui me l'a conseillé. Elle m'a dit oui vas-y joue c'est trop bien et tout, t'aimes bien les jeux d'horreur. Ouais. La prochaine fois je l'écouterai pas. Parce que du coup j'ai fait le chapitre 1. J'ai flippé ma race. Et je me suis dit bah on va faire la suite. Bon alors du coup il fallait pas tomber. Donc il devait y avoir sûrement un truc à attraper. Putain, j'étais archi bien partie. Oui, j'ai des enfants. Allez, cours. Putain, il faut pas vite. Ok, là, on va derrière. Là, le tunnel. J'ai 32 ans. Mais je sais, on me dit souvent que je suis jeune. Moi, je me fais mal aux mains. Bon. Ok. Mais on me rajeunit souvent, oui. Bon. Faut que j'arrive à l'attraper, ce truc. À la fin, elle a pu me faire flipper, à force. Okay.
putain! Oh putain, sa mère! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Ouvre-toi, ouvre-toi, ouvre-toi! Allez, ouvre-toi! Ah! Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Mais non, j'avais réussi! Faut que je referme la porte après. Putain, j'avais pas vu le truc. Fais chier! Et j'espère qu'il faut pas recommencer au début. Hein. S'il te plaît, non. Ne fais pas ça. Cours, 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 cours! Allez, 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 dépêche-toi, dépêche-toi. Mais non, mais je comprends pas alors. J'ai pas compris. Il y a un truc que j'ai pas vu, c'est pas possible. Il y a un truc que j'ai pas compris. Est-ce que je peux pas refermer la porte là-bas derrière moi? Parce que là, de toute façon, tant que j'actionne pas le truc bleu. Oh, c'est mignon, merci. Ah oui, non, je peux pas retourner en arrière là. J'y vois plus rien. Tant que j'actionne pas le truc bleu, elle peut pas. Elle vient pas. Ok. De toute façon, faut que j'assonne le truc bleu. Est-ce qu'il faut que je voie ou est-ce qu'il faut que je passe? Allez. On se met à croupir pour essayer de passer plus vite. Attends, je m'entends arriver. Allez, 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 passe, passe. Non, mais non, mais non. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Je suis juste cachée. Il faut que je fasse quoi du coup? Moi j'ose pas sortir là en vrai. Mais bon, je reste cachée, je bouge plus. Ça. Ah, j'aime pas, ça ressemble à une araignée. Y a quoi là en bas?
Oh, je te jure. Je commençais à flipper. Je me disais, mais je vais jamais passer. Elle va m'avoir à chaque fois. Oh putain, le truc archi flippant! Oh, on est en retour dans la salle de jeu. Putain. Ok, donc là on peut pas passer. Ah, la poupée! Did you kill her? Good. I'll board the train. We need to leave. Deux manivelles, est-ce qu'il faut pas que je les fasse en même temps? Non, ça fait rien, ok. Ça, là, on peut pas y toucher. Ah, c'est ouvert, ok, d'accord. Ouh, encore un toboggan! Il est pas trop flippant. Alors attends, avant de monter dans le train, est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer? Non. Déjà, est-ce qu'on va monter dans le train? Oh putain! Dieu merci. Ah oui, ok, les codes. Alors. Dans cet ordre précis, ouais, ok. Et c'est ça qui me manquait. J'avais pas noté. Alors attends. 2, 4, 3, 1. 2, 4, 3, 1. Ok. Alors, on a dit l'espèce de chien. Comment on fait pour changer? C'est pas la bonne séquence déjà. Comment on fait pour changer? Il y a un truc que j'ai pas compris moi. On va sauter par-dessus. On va remonter là-haut. On peut pas monter là-haut, je suis sûre. Bah non. Couillonne. Ça y est, une main verte là. Ah, je suis trop loin. Est-ce que c'est pas ça qu'il fallait faire là-haut avant? Putain. Est-ce que je me suis pas bloquée toute seule? Ah, mais monte! Presta... Oui, ok. Mais comment on fait? Oui, ça, d'accord.
Les couleurs. Mais qu'est-ce que tu me fais? Ah. Oui. Bah ouais, mais... J'aimerais bien comprendre comment on fait pour changer les codes. On peut pas l'activer tant que ça c'est pas bon. Mais comment tu fais? Il y a un truc. J'ai loupé quelque chose. Mais je peux pas remonter. De toute façon, ça me sert à quoi de revenir par là? Et forcément, dans le train, il y a forcément un truc à faire. Rien qui change. Il est là le truc, moi je veux bien, mais... Oui, bah le code il est là, mais... Mais je suis vraiment blonde et un truc qui va pas. Hein.
Bon, bah alors là, je bug. Comment on fait pour changer les séquences? Non mais il y a un truc, enfin je sais pas, je suis. C'est un bug ou c'est moi qui suis Alors c'est un truc qu'il fallait faire là-haut et j'ai pas fait ce qu'il fallait. Et comme je peux y retourner. Non, je peux plus y retourner. Non, mais je suis trop loin pour... Je peux pas sauter. Là, je peux pas y aller. Si je fais ça, non, je peux pas aller par là. Oui, bah le code, je l'ai là. Mais comment on fait? Elle est là, toute la question. C'est ça que je comprends pas. Je suis buggée, je sais pas. Peut-être relancer le jeu? On va essayer, on verra bien. Sinon, je comprends pas. Je suis bête, je suis blonde. Je sais pas. Bon, je relance le jeu. Je bug même sur des trucs simples, quoi. Oh non! Oh non! Oh non! Putain, mais non! Putain, on fait chier. Oh, ça me saoule. Thank you.
Non, y a rien par là. Non, mais il y a forcément un truc à faire. Hein. Je sais pas. Oui, marcher. De quoi oui, marcher? Bah, si t'as la solution, parce que là je suis bloquée. Parce que tout à l'heure je suis descendue, j'étais dans le train. Mais impossible de changer le. De mettre le code. Dans le train. Ah, ok. Hop. La main de la bonne couleur, ça marchera mieux. Ok. Et maintenant? Et je dois appuyer sur E. Ah, ok! Comment on fait pour relever? Attends.
Ah, c'est pas le bon code. Voilà. Ok, alors. Ça. 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 Ah oui, il faut changer les couleurs d'abord, ok. Ok, d'accord. Merci, j'ai compris du coup. Donc lui... Bah non. La flèche pour changer l'ordre. Attends. Hop, voilà. C'était ça. Ah oui, mais alors attends, est-ce qu'il... On recommence. Hop. Le chien, du coup, il est censé être rouge. Lui, il est jaune, c'est bon. Le chat rouge, c'est bon. Et lui, il est bleu. Ok. Par contre, du coup, ça doit être 2. Ah oui, ok, d'accord. J'ai compris. Ok, j'ai compris. Il est temps que ça rentre. Alors du coup, il faut que le premier, c'est un chien. Chien, Huggy. Oui, c'est bon, c'est les bonnes places. Après, les couleurs, c'est rouge, jaune, rouge, bleu. Et les chiffres, par contre... Et dans cet ordre-là. 1, 2, 3, 4. Ok. 1. 2. 3. 4. Putain, je comprends pas. Les couleurs, elles sont bonnes. Rouge, jaune, rouge, bleu. L'emplacement des personnages, il est bon. J'ai pas compris les chiffres alors. C'est ça. Rouge, jaune, rouge, bleu. On est d'accord, rouge, jaune, rouge, bleu, les icônes, c'est les bonnes. Le lapin, Huggy, le chat, la poupée. Et c'est 2, 4, 3, 1.
Appuyez sur les boutons sur la console du train dans cet ordre exact. Une fois complété... Soyez sûr de pousser... Putain, c'est quoi whistle? Google Traduction. Huggy, Mommy, Chat, Lapin. On va essayer. Huggy. Ah merde, attends. Huggy, Mommy, Chat, Lapin. Bien joué. Bien joué. Ok, on a fermé la porte. Un petit coup de pression. Bien joué, bien joué. Fallait lire de gauche à droite avec les numéros inscrits sur le cerceau. Ah putain. Ah là 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 là. Je suis tout bête, hein. Je bugais sur un truc archi simple. C'était sûr que la petite poupée allait se retourner contre nous. Well, too long. I had so much time to think and reflect. Time to figure out exactly what I would do when free. We'll set things right. Terrible things have happened. But I know that whatever I need you to do, you're capable. We will. What if... J'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Putain, ça va vite. On va mourir. Putain, mais c'est un truc pour les gosses, ça. C'est un manège à sensations fortes, là. Putain. Ah bah c'est fini. Bon bah voilà. La partie 2 elle est finie. J'ai encore bien hurlé ma mère. Ah là 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 là. Comment on fait pour passer ça? Ah on a oublié de se taper la... Super. Non, on peut pas passer. Bon bah voilà.
T'as fait le chapitre 2 en 6 minutes? Ouais, c'est mon troisième live dessus. Hein. Donc, sachant que je live en moyenne une heure et demie, du coup, je suis bien à 4 ou 5 heures là. Mais j'ai refait plein de trucs plusieurs fois. Puis je flippe ma mère, à chaque fois elle me bouffe. Bon, quelle heure il est? 15 heures. J'ai encore un peu le temps, peut-être commencer la partie 3.